Mesdames et messieurs, bonjour, c'est BFA, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans, la mise à jour HDV13. Et là, je suis sur mon compte Brenchong, sponsorisé par Brenchong. Du coup, on a 338 550 gems. On va pouvoir gemmer cet HDV13 et pas que, on va pouvoir gemmer des choses. À l'intérieur, le nouveau héros, malheureusement, j'ai pas pu vous le présenter sur la chaîne. Franchement, ça a été très compliqué pour moi les sneak peeks avec des problèmes d'ordinateur, des problèmes de mise à jour de mon bac, etc. Donc j'en ai mis quelques-uns, pas tout, bref. Avec regret, et du coup, on est quand même là pour la sortie de la mise à jour au taquet. Donc normalement, si cette vidéo se passe bien, elle est là, on est un lundi, il doit être midi, quelque chose comme ça. Et donc c'est très bien. Je propose que on démarre et qu'on va découvrir ensemble tout ça, ce qu'on va gemmer dans cet épisode 1, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà, moi ce que j'aimerais bien aujourd'hui, c'est qu'on ait les Yetis, qu'on ait le nouveau héros et qu'on commence à bourriner avec, qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Je pense que vous êtes d'accord. Donc, pour cela, je pense que ce qu'on va faire, c'est se mettre bien déjà avec des récompenses de passe de combat. Voilà, boost des ouvriers, tout ça, on prend. Ok. Ok, après, il faut faire un par un comme ça. Oh, c'est long ça. Ok, on fait ça parce que je crois qu'il y a des potions, il y a des choses. Ok, c'est pas grave, on est rapide nous. Pensez qu'on est rapide, on est pas rapide. Allez, on le fait vite fait. Et je pense qu'il y avait. Potion de... Attends, je prends tout. Voilà, donne-moi des trucs, des machins. Voilà, allez, on prend. Tout ce qui rentre, on prend. Voilà. Et les skins. Bon, là, je l'avais déjà pris le skin, donc ça, c'est nickel. On prend tout ça, histoire de se mettre bien. Et on va se remplir les réserves, je pense. On a combien d'or, là? On va remplir les réserves d'or et on va tout de suite gemmer l'HDV13. Donc, pendant que je vous parle de ça. Et bien sûr, ah oui, en même temps que je fais ça, pensez, parce que je l'ai fait, moi, déjà. Mais avant, avant de le faire... La première chose à faire, c'est d'aller dans les paramètres supplémentaires, et mettre le code BFA. Vous avez vu ici? Je fais arrêter exprès pour le remettre, mais en fait, voilà. On n'arrête pas, nous. On est là. Et il faut le faire une fois par semaine, les copains, parce que ça saute tout seul, et en plus, vous ne voyez pas où il est. Donc, c'est un petit peu contraignant, mais on fait avec. On continue, on récompère tout, hop. Des potions de 20% de recherche, ça peut être pas mal. Est-ce qu'on va farmer? Est-ce que vous voulez qu'on farme? Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on farme. C'est un compte qui a jamais farmé, ça. C'est un compte de gamer 100% sponsor. Est-ce que vous voulez qu'on farme un peu avec ou pas? Ça va être dur, hein. Après avoir mis tant de gemmes, on a envie que de gemmer, je pense, hein. On est d'accord, mais je sais pas, dites-le quand même, on sait jamais. On peut faire des petites attaques farm, même si ça compte pas. Voilà, il y a une rune d'élixir ici. Je pense que ça va servir pour aller améliorer un Yeti ou une chose comme ça. Votre réserve d'objets magiques n'a pas assez de place. Ok, bah c'est pas grave, on va en prendre après. En tout cas, on... Voilà. À la limite, on... Je sais pas ce que j'ai... Mes objets magiques, on verra comment ça se passe, mais... Ok. Rive universelle, tout ça, machin. Du coup, ma réserve d'objets magiques, ça se passe comment? Elle est où? Je sais pas. Trésorerie, déjà, est-ce qu'il y a à récupérer? On va récupérer ça. Et on va faire comme ça. Alors, est-ce qu'on remplit directement la réserve? Je pense qu'on va remplir directement une réserve, je pense. On s'en balèque, on va remplir une réserve directe. On verra après avec les objets magiques ce qu'on fait. De toute façon, il va falloir dépenser des sous. On est parti, HDV13. Me voici, me voilà. Accélérer, terminer. Accélérer avec le potion... Non, tac. Voilà, objet magique, qu'est-ce qu'il dit là? 50 maximum. 50 maximum. Pourtant, il y a des trucs où... Ah ok, je sais pas. Ok, alors du coup, peut-être qu'on va pester ça dans des remparts. Remplir les remparts ici. Je m'en mets un petit peu. Voilà. Voilà, pète tout. Voilà. Il n'y a plus. Là, c'est très bien. Ok. Hop là. L'HDV. Ok. Améliorer. Bim. Direct. Je remplis à fond. Voilà. 3002. Vas-y, tu me le mets maximum. On veut pas. On veut pas du. On veut pas du petit HDV. Non, on veut du vénère. Il faut plus de réserve. C'est là que ça commence les ennemis. Ok. On remplit la réserve. Alors, la réserve d'or, est-ce que je peux récupérer ou pas mes objets là? Parce que là, j'ai vu qu'il y avait une rune. Ok, il me permet de la... Ok, donc du coup, il faut que je les agrandisse. Ah, c'était plutôt celle d'élixir, alors. C'est pas grave. On va faire ça. On va faire améliorer. Terminer. Ok, donc on se fait les réserves. On va avoir des réserves bien puissantes. Voilà, je pense que tout le monde est d'accord. La quatrième, elle est où? La troisième, pardon, elle est là. Ok. Celle-là. Là, on est d'accord qu'on peut les remplir. On les met au max. Très bien. Et là, on peut se taper. Voilà. Le niveau max. Voilà. Ok, ça c'est fait. On a un hôtel de ville niveau 13 maxé. On va voir les stats.
Ok, du 300 dégâts par seconde, ça n'a pas changé par rapport au sneak peek. Durée de l'effet 8 secondes, ça rappelle que ce HGV fait un effet gel très intéressant. Ce qui va nous intéresser grave, c'est le... Vous savez quoi, on va d'abord peut-être... On va les améliorer. On va améliorer les réserves d'élixir histoire de ne pas être bloqué. Voilà. Histoire qu'on se mette bien, comme ça on n'a pas tous ces blocages de réserves qui n'arrivent pas à contenir. Et on n'en parle plus. Voilà. Et on va les remplir avec cette petite potion magique là. Ok. Très bien. Moi ce que je veux c'est le laboratoire. Où est-ce qu'il est mon labo? Parce que c'est vrai qu'il faut s'y retrouver dans les designs. Laboratoire. Où es-tu? Où te caches-tu? Vous le voyez? Dites-le moi. Faites pause. Et vous me le dites en commentaire. Peut-être ça va m'aider à le voir plus vite. Crash, je le vois pas le labo. Il est là. C'est bon. Ok. Amélioré. Niveau maximum. Ok, super. Ah, par contre, ce labo, ok, c'est une chose, mais il va falloir améliorer la caserne. Donc, les casernes, les fameuses casernes d'élixir, voilà, qu'il faut améliorer ici. On améliore une, on va toutes les faire, je pense que ça sera plus sympa pour la formation des troupes. Deux, ici, hop, trois. On va booster aussi, parce que de toute façon, ça va vider les objets magiques, on a trop... Voilà, on a fait ça, donc on peut former du Yeti, mais nous on veut former du Yeti de niveau max, donc forcément, on veut que le Yeti, il pète la forme. On va remplir la réserve, c'est... Alors attendez, est-ce que je peux encore remplir? Est-ce que j'ai encore une... Oui, on a encore une rune, très bien. Du coup, on utilise... Allez, on est économique en même temps, hein. On est des gens économiques nous. Le Yeti, viens ici, où es-tu? Mon petit Yeti, qui avait l'air si fort et si puissant. Avec un livre? Ouais, bah avec un livre si tu veux. Du coup, est-ce que je peux re-remplir la réserve? Il faut la re-remplir ou pas? Non, je crois qu'il n'y a pas besoin. Si, il faut encore la re-remplir. Bon, on complète, c'est pas grave. Allez, vas-y, tac, boum. On n'en parle plus. Je crois que des livres, j'en ai encore. On va quand même en récupérer. Voilà, récupère-moi ça. Ah, bah, il y a encore une rune d'élixir. Vous voyez? Ma rune d'élixir, du coup, on va l'utiliser puisque les trucs sont vides. C'est parti, bim. Yeti 3. Ah bah il est déjà niveau 3. Ok, bon on n'en parle plus alors. Formé, full Yeti. Ah, vous... Attendez. Il y a encore des formations ici? Non, il n'y a plus de formation. Virez-moi tout ça. Hein. Est-ce qu'on fait un full Yeti ou est-ce qu'on... On se fait avec des boulistes? Vous savez quoi? On va faire un Yeti bouliste. On va essayer des trucs. On va essayer de garder... Quoi que la guérisse... Attendez, j'annule. J'ai envie de tester un truc. Je vais virer le golem. Je vais virer les sapeurs. Je sais pas pourquoi j'ai des sapeurs. On va virer des boulistes. On va en garder une dizaine. Bon, 8. Ok, j'en garde 8. Je sais pas combien ça fait. Du Yeti. Formation Yeti super puissant. Combien ça fait ça? 76. On peut plus. Là, c'est trop. Ok. 76. Est-ce qu'on peut rajouter un bouliste? Non, 80. Donc, on peut rajouter un sorcier. Ok, on rajoute un sorcier. On termine. Hein. Les sorts. Ah, il n'y a qu'un saut. J'aurais bien modifié, vire-moi le soin. Mets-moi encore un saut. Deux sauts, ça peut être pas mal. Il est gémé, il est là. Les héros. Ah, les héros. Les copains, les héros. On m'a pas dit qu'il fallait mettre... Attendez, faites-moi. Laissez-moi voir. Là, voilà. La championne. On va la mettre ici, au chaud. Combien ça va nous coûter, ce truc-là là? Des tonnes, non? Pensez pas. Ok. On n'a pas amélioré. Attendez, je crois que j'ai une rune d'élixir noir. D'ailleurs, celle-là, elle s'améliore ou pas? Elle s'améliore, donc si elle s'améliore, tu termines ça direct. Ok, tu remplis. Et tu me la déboîtes, celle-là. Ok. Combien de... accélérer tous les ouvriers? Non, je ne veux pas accélérer. Je veux terminer. J'ai pas un livre de héros? Il n'y a pas un livre de héros pour faire quelque chose, là? Ok, c'est pas grave. On l'améliore. On la termine. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire les 20 niveaux d'un coup? Je sais pas. On y va franchement? En vrai, il faut remplir la réserve, c'est plus économique. On se la fait. 8000, ouf. Eh, 8000, ça pique, hein. Viens ici, toi. Championne royale, je veux que tu déboîtes. On est parti, on t'en met encore. C'est quoi, on va y aller franchement. On va y aller franchement. J'arrive pas à voir le bouton terminé, il bouge trop. Il bouge trop, ce bouton terminé, j'y vais comme ça, tant pis. Ça va coûter un tout petit peu plus cher, mais bon. On est pressé, nous. Hop, hop. Tac. Ok, niveau 8. Niveau... Ouais, je pense que niveau 20, on peut le faire. Hein. Ça me paraît... Quoique, ça va se corser peut-être sur la fin. On va voir. On va la mettre niveau... Non, dors pas! Pourquoi tu dors? Je veux le niveau maximum. Vas-y. Améliorer. Bim.
Combien on est là? 12. C'est bon, tu peux le faire. On continue. On a combien? 242 000 gemmes, je crois. Ouais, ça va. On n'a pas, on s'est pas occupé de la catapulte aussi. Bon, on verra. D'abord, on va attaquer. On s'est mis bien sûr. Ah, on a aussi la machine. La grosse machine. Faut qu'on se fasse la grosse machine. Tu veux vraiment accélérer, mais c'est pas possible. Moi, je veux pas. Ça vaut pas le coup. Pour l'instant, j'ai pas besoin. Ok, niveau 16. On est pas mal. Où est-ce qu'on gemme? Ici. Viens gemmer. Voilà. Où est-ce qu'on gemme? Ici. Voilà. Très bien, ça commence. On commence à trouver le rythme. C'est pas mal. Voilà. Oh, deux mois encore, je veux encore. Jusqu'au bout, c'est fini, elle est niveau maximum. Ok, voilà, elle est là, elle est belle. Elle est splendide. Elle a un petit... Oh, le petit effet dessus, magnifique. Magnifico. Ok, on est pas mal. Il nous reste quand même l'engin là, ce truc là, là. Ça s'améliore ça? Comme ça? Ok, c'est fait. Former, du coup je peux former un truc comme ça. Je pense qu'il faut aller au laboratoire pour l'améliorer. Donc on a un espèce de... Comment il s'appelle? Il a pas de nom? C'est pas amélioré au niveau 2, mais il dit pas son nom? Pourquoi il dit pas son nom? Quand je suis dessus, il dit pas son nom à lui? Ok, donc ça il veut pas. Ok, très bien, c'est pas grave, on va faire ça. On y va, franchement. Voilà, hop, hop, ça c'est fait. Et du coup on va l'utiliser, parce qu'on va le former. Et voilà, donc on était bon, donc là on est pas mal. On a les trucs, il faut former cet engin là. Voilà, et puis on va en mettre d'autres à former. J'ai pas assez d'or, c'est ça? L'or, j'en ai plus. Peut-être qu'on va remplir un peu d'or, alors. Non, on s'en fout. On verra. On va peut-être... Ah oui, si, il va en falloir, parce que sinon... Ok, on va se remplir un peu d'or pour pouvoir au moins faire les attaques. On va s'en remplir à la moitié, du coup, parce que... Parce que sinon, on va rien... Voilà, ça va déborder. C'est très bien. Ok, ça, c'est fait. Bon, ben, je pense qu'on est équipés, les copains, et qu'on va enfin pouvoir voir... Ah, les boulis sont pas niveau maximum. Oh, la guérisseuse non plus. Oh, non, je peux pas laisser ça, je pense. Je peux pas laisser ça. Je pense que vous êtes d'accord, c'est pas très beau à regarder. Du coup, juste les boulistes. Si, voilà. Je veux bien se mettre là. Voilà, merci. Et la guérisseuse, tant qu'à faire. Voilà. Et ça, c'est fait. Et on n'en parle plus. Et on y va. On est parti à l'attaque. Let's do it. Ah, vous l'avez attendu ce moment-là. Ok. Bah, il y avait un bon gaming aussi. Qui fait plaisir. Ok. Ça, c'est pas terrible, ça. On veut un peu d'oseille. Psychologiquement, on a besoin d'oseille. Ça y a que de l'élixir, ok. Et il est déjà HDV 13, lui. Il y en a qui sont déjà HDV 13. Ok, lui, l'HDV 12, 428 000, c'est pas mal. Ça doit pouvoir se défoncer, ça, je pense. Hein. Clairement. Après, voilà. On prend ça ou on prend autre chose? Bon, on va y aller, on va essayer ça déjà. Peut-être qu'on en fera une autre façon après. Ok, on est parti. Je sais pas trop. Attendez, laissez-moi voir. Les 3 TDE sont comme ça. On y va par là, on y va front. De ce côté là, on va mettre ça. Écoutez, on pose. Ah, mais non, mais c'est pas ça que je voulais, moi. Mais je voulais l'autre engin. Ok, bon, ça commence par un fail. C'est pas grave. On va faire du full yeti comme ça, voir si ça se passe bien. Avec deux guéris et du bouliste. Alors, c'est un peu folklore ce que je fais là, mais c'est pas grave. Et on va faire ça là, et on va faire ça là. Et on va quand même faire rentrer des héros avec la fameuse championne royale. Ok, c'est parti. Eux, pendant ce temps-là, ils cassent sur le côté avec le truc. Ok, nickel. Et on va geler là. Double TDE. Ouais, mais on s'en fout, il n'y en a qu'une seule qui est saoulée de toute façon. Ok. On va peut-être faire un coup de grand gardien maintenant. Voilà. La championne, elle est où? Je la vois pas. J'aimerais la voir. J'aimerais la voir parce qu'on va l'utiliser. Elle est là. Ok, on l'utilise. Bim, attention. Hop, hop, hop. Oh là 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 là, les défenses qu'elle a déboîtées, vous avez vu, avec son bouclier. Elle est insane. Par contre, elle est tout seule, là. Mon attaque, elle est pas ouf, en vrai. Les Yeti, ils sont béton, je crois. La compo, elle est pas OP. Ok. C'est pas grave, on va jusqu'au bout. C'était un test. Ok, du coup, là, l'arène va faire ça. Eh ben, ça va pas perfect, ça. Quoique, c'est peut-être les héros qui vont tout faire le travail. Oh là, elle est OP, hein. Elle tient le coup, hein. Mine de rien, elle tient le coup. Non, si, hein, ça va peut-être le faire, il reste plus rien en vrai. Non, en vrai, il reste plus rien. En vrai, il reste plus rien. Et il y a encore un Yeti et un bouliste. Ok, par contre, faudra voir là. Je pense que. On est parti un petit peu en vrac. Mais c'est intéressant. Par contre, cette championne royale. Oh! Vous avez vu ou pas? Son bouclier là, quand elle le lance, ça le fait tac, tac, effet de ricochet. Mais elle one-shotait toutes les défenses de cet hôtel de ville là. Qui était. Je sais pas ce que ça voulait d'ailleurs, mais c'était quand même. C'est pas non plus des défenses minuscules. Bon, on va quand même aller jusqu'au bout, hein. Histoire qu'on commence avec un petit perfect. Et puis on va essayer de voir si on peut se taper une petite...
notre petite base. Est-ce qu'on repart sur cette compo ou est-ce qu'on part sur autre chose? Est-ce qu'on tente un full Yeti? Je pense qu'on peut essayer un full Yeti. Je sais pas si les guérisseux ça sert vraiment. Si, peut-être, hein. Je sais pas, en tout cas, lui par contre, il a du mal à péter un mur de niveau. Je sais plus combien il est ce niveau-là. C'est niveau 11 ça maintenant? J'aime plus. Attendez, 9, 10, peut-être 10. Non, c'est niveau 10. C'est des niveaux 10. Ok. Ça c'est fait. Le mec il va rien comprendre. Il s'est dit, tiens, il y a un mec qui m'est passé dessus avec une compo méchante. Alors par contre, on fera gaffe avec l'ancien. Ouais, avec l'engin. Oui, alors, c'est quoi? Ok. Je m'ai formé. Mais on a dit que. On va virer les boulistes. Tiens, les boulistes. Je vais mettre que 4 guéris. Et je vais remettre. Ça rentre pas. 76. Ok. Et on remet ça. Ok. On fait comme ça. On gemme. L'essor. On reprend ça. L'engin. Bah, normalement, on doit l'avoir. On en a un. Donc on fera gaffe à de bien switcher. Les héros, on les guérit. Et on n'a pas un boost sur les héros. Si, on a un boost quand même. Ok, c'est parti. On retente. Et on regarde ce que ça donne. Mais purée, c'était quand même assez sympathique. On va essayer de trouver une grosse base bien grasse. Avec du gras. Il faut qu'il y ait du gras de l'or et du gras d'élixir qui coule. Voilà, tout autour. Là, c'est pas le cas. Regardez en haut à gauche. Il faut qu'il y ait vraiment masse thune. Hein. Ouh là là, ça c'est très préma. Mais ça serait tellement moche d'attaquer un truc pareil. On a envie d'attaquer un gros truc là. On a envie d'attaquer un gros truc. Ok, ça c'est pas terrible. C'est pas terrible ce qu'on nous propose. Alors pour le farm, j'avais remarqué qu'en cristal, c'était franchement ouf. Ce qu'il y avait comme village abandonné. Master aussi à peu près. Master 3. Bon, là j'ai rien du tout. Hein. Moi, je pense qu'on va peut-être pas attaquer pour la thune, on va peut-être attaquer juste pour la beauté du sport. Donc on va chercher une base un peu sexy. Oh, elle est pas sexy celle-là. Il y a des murs violets. Celle-là, ouais. Bazaroïde, hein. Ça non plus, c'est pas beau. Allez, un peu de gras. Juste un peu de gras, les copains. Vous êtes d'accord? Juste un petit peu. Un petit 400k. 300 et quelques. Oh, Mérinelle, elle est TDE niveau 1. Non, je peux pas attaquer les TDE niveau 1. C'est... Ah, voilà. Il n'y a pas de thune, lui. Mais il a un HDV. Il a pas de thune, mais... Ouais, non. C'est... Non, donne-moi un peu d'élixir. Ok, il y a un peu plus là. Ok, là, c'est un peu plus correct. Pas ouf, mais c'est un peu plus correct. Ok. Du coup, je vais essayer de mettre... Alors, attendez. Donc déjà, je switch. Histoire qu'on découvre aussi, voilà, ce nouveau bâtiment. Ce nouvel engin, plutôt. Votre caserne de siège est vide. Bah oui, mais normalement, c'est pas grave. Tu vas quand même spawn des trucs. Si je dis pas de bêtises, tu vas spawn des trucs. Ici, là, je vais te mettre. Voilà. Là, tu spawns un PK, normalement. Voilà. Ok, bah ça va. Alors, c'est quoi? On va mettre ça là. J'en mets 4. Je fais comme si c'était des... C'est quoi? Et en fait, non. Ça ressemble à rien ce que je veux faire là. Mais c'est pas grave. On va faire ça. Parce que en fait, je voulais raisonner comme si c'était des... Non, j'en ai pas assez des troupes. Ok, on va passer là alors. On est parti. Et on va mettre 2 sorciers. Ah oui, il y avait mon sorcier de tout à l'heure qui était là en fait. C'est pour ça. Ok. Ok, très bien. On va commencer à geler tout ça. Parce qu'il y a son HDV 13 qui va me saouler. Ok. C'était pas ouf. Là, je sais plus trop où... Il manque un peu de gel dans mon histoire. La championne royale, où es-tu? On va te faire agir. Bim! Tu casses pas tout? Ah non, elle a pas tout cassé cette fois-ci. Oh là, purée, mais là, je me prends trop. Il manque du gel. Mais ça passe quand même. Hein. Les Yeti, ils travaillent encore ou pas? Ouais, ça travaille encore un peu. Ils sont lents. Ok. Le roi activé. Attention ici, la tour de l'enfer solo, elle est tombée aussi. On passe un peu en puissance, c'est pas très esthétique, mais ça passe. Ouais, les Yeti, en vrai, ils sont solides. Ils sont lents, mais... Ouais, ils ont une progression lente, mais ils font du taf, hein, ils sont là. Du coup, la guérisseuse, ouais, je sais pas, j'ai... Faudrait que... Bah, il faut que je regarde le ralenti, en fait, pour voir si ça a été vachement mieux. Ah, vachement value, ces guérisseuses. Ou si je les viens. Mais en vrai, bon... Voilà. Mais il a pas des défenses dégueulasses, hein. En vrai. Il a des défenses d'HDV 12. Il est pas mal. Il est franchement pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, les copains. On est dans du correct. On se remplit un petit peu les poches, gentiment. Bon, on va accélérer, on va mettre la reine direct, bim. Alors la reine, pareil, faut la monter niveau 70. Le roi aussi. Le grand gardien 50. Il y a des choses à faire.
Il y a des choses à faire pour encore maximiser l'attaque. Et peut-être les sorts aussi, ils sont peut-être pas à max là. Bon, bref. Là, on a fait un petit kiff déjà. Puis vous avez vu la vidéo, elle est déjà, je pense, une vingtaine de minutes. Je vous ai pas fait un gaming en accéléré. Donc voilà, du coup, je voulais que vous voyiez un petit peu ma logique d'approche de la mise à jour. Et on va voir prochain épisode. Dites-moi ce qu'il faut gemmer en priorité. Vu qu'on a encore ma gemme, hein, les copains. Avec le code BFA, bien sûr, toujours. Vous pensez à le mettre. Et ça, c'est fait, voilà. Et c'est pas mal. Et c'est pas mal. Voilà. Donc, on est bien. Donc, la championne, elle est fatiguée, c'est normal. Elle se repose, mais elle est clairement OP. Elle est clairement bien. Son pouvoir est vraiment super, méga stylé. Donc, ce héros, moi, il me fait plus vibrer encore que l'apparition du Grand Gardien. Grand Gardien qui était un support, qui est très important. Et là, bon, effectivement, on est un petit peu sur le corps à corps. J'espère que la vidéo vous aura plu, les copains. N'hésitez pas à mettre vos petits commentaires pour me dire ce que vous voulez voir en épisode 2. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.